Bon salut les amis, on se rejoint à nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est direction Étang de Cros qui se situe en région centre, donc à côté de Buzancé, dans le village de G. Donc je vais aller rejoindre Adrien, donc c'est le gérant du plan d'eau, pour quelques nuits. On ne sait pas combien de temps qu'on a devant nous, mais déjà 2-3 nuits déjà. On est au poste, on a bloqué le poste 2 et 3 pour tourner la vidéo. Donc j'espère que ça va dérouler. Donc on va pêcher à deux ou trois cannes chacun. Adrien il va pêcher je pense avec bateau téléguidé et moi je vais aborder la pêche du bord avec sac solube et on verra comment ça va se dérouler. Donc voilà. Voilà en direct de l'étang de Cros avec Adrien, le gérant. Hop. Voilà on commence bien la session. Les cannes posées quoi? Demi-heure? Oui, pas longtemps, hein. Quart d'heure. Demi-heure, quart d'heure. Et déjà deux poissons. Un Mourblon pas Adrien. Une belle commune pour moi. Et c'est que le début. Pas mal déjà? Ouais, faut que ça dure. Faut que ça dure, ouais. Bon, on va prendre quelques photos, les relâcher, retendre les cannes, parce qu'on a une canne chacun qui pêche. Essayer de mettre trois cannes à l'eau chacun, et on va voir pour la suite. Déjà, c'est pas mal. Allez. Allez, on met. Voilà, même pas le temps de remettre les deux poissons. Que la canne Adrien démarre. Moi je vais relâcher les deux poissons et on va reprendre l'affaire. Allez, voilà. Adrien a eu le poisson. Encore un amour blanc. On ne l'a pas pesé, mais un beau poisson. T'en as vu combien? Hein? T'en as vu combien? Ouais, il fait 12 peut-être. 12. Voilà. Donc les amours blancs, ils ont l'air d'être au taquet en ce moment. Voilà. Et en bonus, on a Adrien qui fait un peu de catch. Ah, putain, la vache. Allez, dernière fois, et puis quelques photos. Essayez quand même. Voilà, parfait. Voilà. Nickel. Oh, ça commence plutôt bien. Parfait. Allez, quelques photos, on y rentre la liberté. Et bon. Good. Bon, voilà. Après l'amour blanc d'Adrien, maintenant un beau poisson pour moi. Donc un poisson qui fait, on a dit, 25. 20,5 kg. Très très beau poisson. Après, je recule un peu. Voilà. Capturé sac solube sur la bordure d'en face. En arrivant, on a vu quelques poissons avec Adrien. J'ai pas mis longtemps à mettre un sac dessus. Et on a fait deux poissons en peu de temps. Et puis après, Adrien, il fait deux jolis amours blancs. Et voilà, je vais vous montrer vite fait de l'autre côté. Voilà l'autre côté. Super poisson. Allez, on la remet? Allez. Nickel. Bon, ben voilà. En direct. Là, mon père il vient de passer nous dire bonjour. Ça a déroulé sur ma canne, il a ferré. Il a piqué une couille. Comme de par hasard. On parlait de la grosse cuir. Mais c'est pas la grosse cuir, c'est une belle couille. Là, c'est pareil, les temps de Cros c'est connu aussi pour ça. Les belles couilles. Plus une grosse cuir là qui fait quasiment 23 kg, ça c'est un poisson exceptionnel. Dans beaucoup d'autres. Hein. Voilà, c'est une grosse épuisette Adrien. Voilà. Oh non. Les cailles sont comme ça. Hein. Les cueilles, elles ont toujours un peu plus de niaque, hein. C'est comme les communes. Camadat, assez bon là. Non, pas encore. Oh. Quel combat. Vas-y, Adrien.
Vas-y, 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 vas-y. Yay! Hey, hey! Bravo les gars! C'est vrai? Tu la connais celle-là? Ouais. C'est comment? C'est Girardin? Charline? Bon, elle est belle, hein? Donc voilà, une petite coille que mon père vient de pêcher. Je vous la présente vite fait. Voilà. Poisson qui est bien frié. Très vite fait à l'autre côté. Hop. Voilà, on voit qu'elle a quelques écailles qui manquent. Tu en as frais. Ça va vite à repousser. Voilà, une petite coille d'éléphant de croc. Magnifique. Voilà, encore un poisson pour Adrien cette fois-ci. Encore un amour blanc. Il a abonné aux amours blancs. Oh, il y a un toutou là-bas. Hey! Faut qu'il mange ma mixture. Oh, il y a une qui a sauté devant le buisson là-bas. T'as vu? Tout à l'autre bout, au poisson. Bon, voilà. Ça sent l'épuisette cassée en deux, ça. Allez, l'épuisette toute neuve. Ah, ça va. Allez, encore un amour blanc par Adrien. Voilà. Il dit que c'est toujours le même, mais je vous rassure que c'est pas le même poisson. Ah, bravo. T'es abonné aux amours blancs là en ce moment? Ouais, à mon avis, ils sont sur le coup là-bas. Ouais, allez. Ben voilà, première journée, touche à sa fin. Et encore un poisson, celui-là on a dit 11 kg. Un poisson qui a bien frayé. Encore capturé sur la bordure d'en face. Avec un petit sac cellule. Voilà. On va y rendre sa liberté et allumer le barbecue. Voilà, autour d'Adrien. Commune bien nerveuse. Un joli combat. Ouah. Ça laisse pas faire, hein. Donc là on est rendu à... Ça fait combien de poissons? Ça fait combien? 8. 8 poissons en tout. On dit à 8 poissons. Pour le plus gros, 20... quasiment 21, 20, 25. C'est top. Ça s'est calmé pendant peut-être 2 heures cet après-midi, puis après c'est reparti à fond. Tu veux que j'aille plus par là? Non, c'est bon. Ça. Non. Ça laisse pas faire, hein? Non, non. Allez, laisse-toi faire. Ça veut dire non. Ça veut dire ok. Oh, voilà. Impec. Ah, voilà. Cet après-midi, on les enchaîne bien. Adrien avec une belle commune. Un super combat en plus. Pareil, capturé sur sa bordure en face. T'étais assez près là cette fois-ci, non? À 1 mètre de la bordure. Donc il faut vraiment aller les chercher sur la bordure d'en face. C'est là où qu'elle passe, c'est là où qu'elle s'alimente. Allez, super. Quelques photos. Les bouches nickel, hein. Ah, ça, c'est des poissons propres. Ouais, 8 kilos, ouais. À peu près 8 kilos. Après, on pèse pas tous les poissons, hein. Et voilà.
une belle commune. Qui retourne la canne. Bon, c'est pareil, il faut que je retourne des cannes. Il n'y en a plus qu'une qui pêche. Bye bye. Bien joué. Voilà. Juste après manger, Adrien a encore ricané à mon blanc. Celui-là est plus gros que les autres. Voilà, à peine déposé avec le bateau que ça déroulait. Limite, ils suivent le bateau et puis dès qu'ils lâchent l'appât, je te désamorce en dessus. Voilà, super. Donc voilà, la session touche à sa fin là. Et du coup, on va profiter pour discuter un peu avec Adrien, le gérant du plan d'eau. Donc Adrien, combien de postes il y a sur l'étang? Il y a trois postes. Trois postes de pêche. Un à l'abonde, un au milieu de l'étang et un dans le fond. Ok, donc il y a trois postes sur l'étang. Et question chaptel, il y a quoi? Il y a environ 100-110 poissons mélangés, miroir, commune, amour blanc, coï. Ouais, avec des poissons de plus de 20. 7 poissons plus de 20 normalement, ils sont connus. Des amours blancs aussi plus de 20 kilos. 43. 7 poissons plus de 20, c'est pas mal. Hein. Nous, on a eu la chance, nous on a eu la chance d'en capturer une, que vous avez vu pendant la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver sur place comme... Bon, après il y a l'électricité sur tous les postes. Ouais. Et la douche en haut à la ferme avec des personnes qui peuvent profiter du spa et puis de la piscine pour les accompagnants ou même les pêcheurs. Ah ça c'est bien. Ouais, pour les femmes. Voilà. Donc après ouais il y a l'eau aussi qui est. L'eau ouais, sur le poste 2, ouais. Après tout le monde peut venir en profiter, ouais. Faire la vaisselle. Ce qui est bien, c'est que quand il fait chaud, on peut amener un frigo, poser un frigo, brancher sur le poste pour garder tout ce qui est viande, boisson ou frais. Ça, c'est vraiment top. Toutes les postes sont bien délimitées. Donc il y a des piquets en face qui délimitent toutes les postes, ça c'est bien. Sur tous les postes, il y a les bancs, les tables, ouais. Les barbecue. Ça c'est un point positif, c'est bien. Hein. Pas mal. Donc le site est clôturé. Donc, on ne craint rien du tout. Devant, c'est fermé la nuit, donc on est vraiment tranquille. Moi, à chaque fois que je viens, la pelouse est bien entretenue, toujours bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le Facebook? Oui, la page Facebook, ouais. Étang de Crocart. Donc, pour réserver. Vous pouvez me contacter directement par Messenger, ou alors il y a mon numéro qui est affiché sur la page Facebook. Ouais. Et en termes de prix pour une semaine, on est à combien? On est à 130 euros la semaine. 130 euros la semaine, donc c'est pas pour un 48 heures, parce que c'est ce qu'ils se demandent souvent, quoi, c'est 45 euros le 48 heures. Ouais. 45 euros le 48 heures, en sachant que, combien on a dit, plus de 20? 7% plus de 20. 7% plus de 20, je pense que les prix sont raisonnables. Donc on va clôturer la session ici, quelque chose à rajouter? Bon, rien de spécial. Ouais. C'est compliqué, hein. La dernière nuit était... Ça a bien démarré, puis après, ouais, c'est clair que les dernières 24 heures, ça... C'est comme ça. Les températures qui ont changé et ça a changé la pêche. C'est la pêche. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réserver, de contacter Adrien directement sur la page Facebook Étang de Cros ou directement sur ta page à toi. Voilà, n'importe. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et si vous voulez des questions, commentez en bas ou contactez directement Étang de Cros. Allez les gars,